Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part pour un nouvel épisode sur ma survie Minecraft où je suis 100% dans le Nether. Je me suis occupé d'explorer les alentours en off et devinez ce que j'ai découvert. J'ai découvert un bastion, donc ça fait super plaisir. J'avais trop hâte de vous faire cette vidéo pour explorer ce bastion. L'objectif, je le rappelle, c'est d'aller dans l'overworld. Donc pour ça, j'aurai besoin d'assez de fer pour faire un briquet. Pourquoi pas un seau pour faire des seaux de lave et pouvoir cuire mes aliments correctement. Et aussi du diamant, pourquoi pas en prendre, enfin bref, et surtout de l'obsidienne pour pouvoir faire le portail et retourner dans le monde normal. Et juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, mettre un pouce bleu, rejoindre le serveur Discord et le serveur Minecraft, l'IP est dans la description. Au moment où je tourne cette vidéo, le serveur est en maintenance, mais ça revient très vite, vous inquiétez pas. Le serveur, c'est un serveur Java en 1.16.3, je le rappelle. Allez, c'est parti. Bon bah écoutez, je suis super content, on va pouvoir repartir. Donc on avait fait cette petite maison la dernière fois. Alors juste un truc, il y avait quelques personnes quand même qui m'ont dit pour la petite champi-lampe team avec des trappes. Donc j'ai envie de vous dire, on va faire des petites trappes en bois bleu parce que celle-là, j'aimais pas trop en fait, c'est peut-être la couleur. Donc je vais essayer avec des trappes comme ça, je crois que j'en ai fait trop des trappes. Et ces petits cubes de magma, honnêtement, je suis pas super fan. Bon écoutez, pour la champi-lampe, on va laisser comme ça, j'ai pas fait les trappes pour rien. C'est pas mal. Niveau de la nourriture, on est très bien. Alors je vais juste, je suis en train de me dire, écoutez, normalement, il n'y a pas de raison qu'on se fasse attaquer. Je vais prendre pas mal de netherrack. On a besoin, c'est bon en fait, on est pas mal. On peut partir, je pense. On peut partir. Au pire, je meurs, je reviens. Alors, par où c'était déjà? C'était par là. C'est parti. On s'y retrouve juste devant. J'ai eu quand même vachement de chance parce qu'il n'est pas super loin, le bastion. C'est juste que j'avais pas du tout exploré ce côté-là. Donc, attention. Il faut faire gaffe parce que ça peut être dangereux avec les oglins, vous le savez. Alors, d'ailleurs, en parlant de oglins, on va mettre ça dans la seconde main au cas où, comme ça on peut s'élever dans les airs. Ah oui, et c'est vrai, il y en a qui me demandent des fois, le pack de textures, c'est Faceful 1.16.3 du coup. C'est la version. En fait, vous prenez la version avec laquelle vous jouez à Minecraft. Et du coup, on a le bastion. Alors, je suis dégoûté parce que je l'ai fait en off. J'ai déjà eu le succès en off en fait. Mais bon, c'est pas grave, je suis pas allé plus loin que ça. Et on est dans le bastion. Alors vraiment, objectif survivre face à des gros oglins comme ça. Surtout ne pas tomber avec la lave une fois que j'aurai des trucs intéressants. J'ai récupéré les lanternes, c'est vrai que c'est joli et ça coûte du fer. Donc on va les prendre, je voulais en mettre dans ma maison mais c'est vrai que j'ai pas eu trop l'eau. Oh c'était déjà tendu là. Ok, on va pas faire le fou comme ça. Mon jeu a des petits lags, c'est vraiment pas top. S'il y en a qui veulent me donner des PC, hein, je prends. Honnêtement je suis un peu déçu parce que ça a pas l'air d'être un énorme bastion. À première vue vraiment... ça a pas l'air d'être gigantesque. Je vois pas beaucoup de coffres en fait, c'est ça le problème. Juste lui, si je peux le tuer à distance comme ça sans qu'il me touche, ça serait vraiment parfait. Denis, s'il te plaît. Ah voilà. Oh la saloperie. Oh là là, j'aurais pu y passer là. C'était dangereux, très dangereux. On y est, c'est bon. Vraiment, pour l'instant, j'ai aperçu aucun coffre. Vraiment c'est l'objectif premier. Donc les piglins ne m'attaquent pas, c'est tout ce qui m'importe. Je vais pas ramasser des trucs quelconques devant eux. Oh la saloperie. Oh la saloperie. Il y a un... Oh là là. Je suis super mal. Le problème qu'on rencontre actuellement, c'est qu'il y a énormément de piglins juste devant le coffre. Alors ça c'est quand même triste. Voilà. Bon attendez, pour éviter que le gros cochon y vienne, on va faire un passage. Mais par contre, les oglins, ils sont ultra nombreux là, c'est abusé. Ok, lui on essaye de le pousser, vraiment ça me prend un peu de temps de faire ça. Mais ça vaudra le coup au final et je pense que je me barrerai vers là-bas. Enfin, je reviendrai pas ici, c'est l'horreur, ils sont vraiment super nombreux. Ah oui, ok, toi tu recules, vous reculez les gars, allez. Voilà, va faire ta promenade du dimanche, oh yes, on y est. Donc là, on récupère. Oh là là, par contre, il n'y a rien de fabuleux. Hein. Je vais juste mettre ce petit plastron. Écoutez, c'est cool en vrai, j'ai eu les crêpes de Mac. Bon, on s'en fout. Je prends le coffre. Et par contre, ils ont l'air très énervés. Oh là là. Oh là là, ils sont énervés. Mais j'ai rien fait. Enfin si, mais vous étiez censé pas le voir en fait. Attendez, je tente quelque chose. J'essaye de les tuer comme ça. Parce que sinon je m'en sortirai pas. Ok, il n'y en a plus ici. Bonne nouvelle.
De l'autre côté, juste, alors j'ai rien récupéré de spécial. La pomme dorée, j'avais pas fait gaffe. Oh, ça c'est vraiment trop bien par contre. Donc ça, hop là. Il y en avait vraiment plein là. Je me fais un plaisir de les massacrer, sérieux. Parce que tout à l'heure, qu'ils étaient là à me gêner tout ça, ils me saoulaient. Hein. Et là, ça fait une super ferme à XP en plus, c'est cool. On a des plastrons en plus. Et c'est nickel en vrai. On a deux bonhommes juste ici. Mais on dirait qu'ils m'attaquent pas. Et on a un autre coffre. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est Noël. Il me faut du fer, s'il vous plaît. Juste du fer. Ok, on est bien enfermé de partout, je vérifie bien. Hop là. Les gars, je m'en doutais. On peut déjà rentrer dans l'overworld. Alors, pas totalement, parce que... il manque du fer pour faire le silex. Et non, je peux le faire. Je peux le faire. Oh, c'est incroyable. Je m'y attendais un petit peu, mais quand même... On peut rentrer dans l'overworld. Alors dites-moi dans les commentaires les amis si vous voulez que je poursuive un petit peu cette série ou si on arrête là, on retourne dans l'overworld. Je pourrais faire un petit truc vite fait dans l'overworld pour clôturer ça dans la prochaine vidéo. Mais pour l'instant, je peux rentrer. Je le ferai dans la prochaine vidéo, on termine celle-ci en tout cas. Mais voilà, on peut rentrer déjà et ça, ça fait trop plaisir. Alors là, par contre, si je meurs, c'est la fin. Hein. Donc vraiment, faire très attention. Ok, donc là... Ok, c'est pas par ici que je suis arrivé, parce que j'avais ramassé les petites lanternes, et on a un bloc de gold. Oh, le bloc de gold, ça va nous aider. J'ai déjà tout ça de plastron en plus, donc c'est quand même très très cool. Alors là, on va s'enfermer avec ce monsieur pour le récupérer tranquillement. J'espère qu'ils vont pas m'attaquer, ça serait extrêmement triste. Non, attendez. J'en étais sûr. Je peux pas le récupérer avec une pioche comme ça. Ok, j'en ai eu deux. Ah non, bon, bah, les blocs d'or, du coup, c'est pas pour maintenant. Et j'aurais dû prendre ma pioche en diams. Oh, rip. Bon, écoutez. On va dire que c'est pas grave. Par contre, là, j'en ai tué deux. Alors, si j'en recroise, ils vont vouloir m'attaquer normalement. Il va falloir faire très attention. Vraiment, objectif, ne pas tomber dans la lave. Pas que j'aille trop vite. Alors, par contre, là, vous savez quoi? Je vais rentrer à la maison parce que c'est vraiment pas très loin. Et ma maison est... Non, le tunnel que j'avais creusé, c'est pas par là. Bon, je vais essayer de retrouver pour entrer à la maison et vraiment sécuriser les... Vous avez compris, l'obsidienne. Oh là là, c'est tendu, c'est... Waouh, vraiment, le bastion, franchement, c'est quelque chose de assez compliqué, je trouve. Les amis, il y en a un qui m'a attaqué, j'ai eu le réflexe. De me barricader, mais waouh, j'ai pris, enfin j'aurais pu y passer là, très clairement. Il y en a d'autres qui se ramènent, ça va être tendu parce que là j'ai généré le conflit en fait. Et là du coup ça va être très compliqué, il y en a d'autres qui arrivent encore. Oh, je suis fini. Ouh, heureusement j'ai des réflexes comme ça, mais là vraiment... Il m'attaque pas? Non, ok, donc c'est bon en fait. C'est pas moi qui veulent attaquer. Bon là, vraiment, j'ai envie de trouver le chemin de la maison. Vraiment, j'ai envie de rentrer. On revient, mais vraiment sécurisé, quoi. C'était où mon passage? Je crois que c'était vers là-bas. Hop! J'ai failli mourir là. Hop! Oh, comme c'est dur. Oh, comme c'est dur. Oh, comme c'est dur. Voilà, yes. Il va falloir se refaire un stuff dans tous les cas. Oh non, j'ai rien, j'ai pas un truc pour... Oh malheur. J'ai pas d'armure, je vais me faire exploser. On va prendre ça, je vais me faire une pioche vite fait. 1, 2, 3. Une épée aussi en fait, hop. Hop, voilà, vite. Oh non, je suis dégoûté. Non les amis, je me suis dit c'est la fin de l'aventure et tout, mais pas du tout en fait. J'avais oublié le détail qu'il faut rentrer sain et sauf. Et ça, ça va être une mission vraiment très compliquée. Oh là là, on nous attaque déjà. Ça va être très dur. Oh regardez comment ils font mal. On y arrive. Ah, et pour ceux qui se demandent, l'angle de réapparition... Elle se vide pas parce qu'en fait j'ai fait un slash spawn point. Ce serait plus simple. Donc là c'est bon. J'y retourne mais que avec de la soupe. Normalement j'ai pas...
Oh, ça va être tellement dur parce que c'est ça le problème, c'est qu'il me faut de l'armure en or pour retrouver le stuff. Ce fait que quand t'as pas d'armure en or, tu te fais exploser par les piglins, c'est vraiment très compliqué. Il faut courir ou se protéger et ça, ben. Et en plus, il y a les gros porcs dégueulasses qui me gênent. Mais non, mais je peux pas reculer, non. Oh, j'avais trouvé deux blocs de gold, j'aurais pu. En fait, je voulais vite revenir ici pour. Oh non, je suis deg. C'est trop chaud, quoi. Vous savez quoi? Je vais vite prendre ma pioche en diams et essayer de trouver quelques pépites pour me faire juste des bottes en or. Et puis là, on aura une chance. Mais là, pour l'instant, c'est très compliqué. Oh, mais non, mais s'il te plaît, quoi. Je vais partir vers là pour trouver de l'or avec ma pioche et ma chance. On en parle ou pas? Faut que je trouve de l'or vraiment en chemin. Ça m'étonnerait pas en vrai. Et puis go, vraiment go sprinter, don't die et survive. Je retourne au bastion. Voilà, je tente le tout pour le tout, mais oh là, j'ai même pas de soupe. Oh non, je rentre, je rentre. Oh non! C'était sûr, c'était sûr. C'est super dur, les amis, vraiment. On se rend peut-être pas forcément compte, mais c'est trop chaud là. Il y a soit les Hoglins, soit les Piglins. C'est mission impossible, vraiment. Ok, allez, 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 allez. Oui. Oui, non, c'est pas ça. C'est pas ça, mon opsy. Mais regardez tous les Hoglins qu'il y a, mais bordel! Mais non, c'est impossible. C'est trop dur. Vraiment, je peux rien faire. Écoutez, c'est très triste, mais mon stuff est mort, même ma pioche en diamant. J'ai le seum, très fortement, donc on a perdu une armure en or. Toute ma bouffe, mais bon, vous savez quoi? Je vais me refaire de la soupe, les outils. On va se prendre. Oui, je vais me refaire une armure. Et on y repart et on essaie de trouver d'autres coffres pour trouver d'autres obsidiennes, etc. Bon alors, je suis enfin de nouveau prêt, donc je me suis trouvé un petit peu d'or, donc j'ai pu faire ça. Ça c'est cool, les petits outils, rien de fou, et la soupe, voilà. Donc on va pouvoir repartir et commencer sérieusement les recherches, et cette fois on ne meurt plus. Et voilà, donc mon stuff, à mon avis, il a totalement despawn. C'est triste, mais bon, j'étais obligé de laisser ça de côté. Va-t'en. Ces petits trucs là, qui sont nuls et qui sont fuyards comme ça sert à rien. Bon, du coup, je continue un petit peu l'exploration. Pour l'instant, il n'y a rien de fou, je vais pas vous mentir. Ouah, je tente des moves ultra chauds. Non, mais c'est trop, laissez-moi tranquille, bordel. Oh yes. Oh, j'ai pu me sauver. Oh yes, bordel, c'est trop. Heureusement que c'était un petit. Heureusement que c'était un petit. J'allais mourir sinon. Il me faut un coffre que j'ai pas fait, quoi. Mais j'en ai marre. J'en ai marre, sérieux. Bon. C'est trop dur. Vraiment. C'est super chaud. Ok, j'ai réussi à retrouver. Hop là. On enfourne ça. On enfourche plus. Ouais, bref. Du coup, on a le stuff. Par contre, une épée, ça serait pas de refus. Yes, mon épée. Oh yes, un coffre. Qui a l'air de pas avoir été fait. Hop là, hop là, hop là. Oui. Oh. On est en sécurité et le piglin s'est occupé de massacrer le hoglin. Alors là, il nous faut du lourd dans ce coffre, du fer ou bah en fait, je prends un truc, n'importe quel truc bien. Et carotte dorée pour de vrai. Carotte dorée, c'est lourd en vrai. Le seul problème là que je vais peut-être rencontrer, c'est que j'ai pas de pioche. Alors, il m'attaque ou pas lui? Je pense pas. Non, 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 je peux pas fermer. Il me tape à travers. Non, sérieux, là c'est trop. J'ai plus de bloc dans ma seconde main. Les piglins, ils m'attaquent. Non, mais je peux rien faire. Regardez-moi, regardez ma situation quoi. S'il vous plaît, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai ça en plus. Je vais prendre une petite carotte dorée. Ça...
Je suis enfermé à jamais, regardez, ça va prendre 10 ans à casser. Vous savez quoi? On est parti, j'ai des carottes dorées, ça peut quand même bien aider. On va se mettre à distance et on va essayer de les taper. Non. Je suis mort. Regardez le nombre de Hoglin, c'est incroyable. Après ce petit moment de rage, voilà, j'en ai marre, ça fait 5 fois que j'y retourne, que je me fais exploser. Dites-moi dans les commentaires ce que je devrais faire la prochaine fois. Et puis voilà, j'envisagerai de faire ce que vous voulez parce que là, je sais plus trop quoi faire, j'ai no stuff, rien, ça va être très compliqué. Sur ce, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, normalement, demain à 11h, donc dimanche à 11h, il y aura une vidéo sur le serveur. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, rejoindre le serveur Discord et le serveur Minecraft, tout est dans la description. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.